purée, tout d'un coup. Bon, salut toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais te montrer mes créations du mois de janvier. Et ouais, et cette fois-ci je triche pas, parce que la dernière fois j'avais triché parce que j'avais rien foutu au mois de décembre. Donc du coup j'avais commencé à te montrer les toutes premières créations du mois de janvier, la première semaine. Mais alors cette fois-ci je triche pas, parce qu'en fait j'en ai fait énormément. J'ai fait vraiment beaucoup de créations. Mais c'est des créations qui sont quand même assez simplistes, si je peux dire. En fait, c'est que des techniques que j'ai utilisées. J'ai pas fait de modelage, pas de personnage. Non, c'est que des techniques, que des bijoux simples. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai eu beaucoup, parce que c'est beaucoup plus rapide à faire que des personnages. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai tout le temps en tas. Voilà. Alors je vais essayer de filmer cette vidéo-là autrement pour essayer de gagner un peu de temps, je l'espère. On verra bien. On verra ce que ça va donner, parce que là j'en ai vraiment fait quand même pas mal. En fait j'ai fait quelques... il y a trois petites collections, mais dans ces trois petites collections il y a pas mal de bijoux. Du coup ça... enfin bref, vas-y laisse tomber, tu verras ça. Bon, je suis désolée pour l'éclairage, mais il pleut. C'est la Normandie, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Mais normalement ça, quand je vais te montrer mes créations, ça devrait le faire. Donc logiquement, quand tu verras cette vidéo-là, toutes les créations que je vais te montrer seront déjà disponibles sur ma petite boutique. Parce que là, on est mardi, mais tu verras la vidéo que vendredi. Logiquement, si tout se passe bien. J'ai pas posté de vidéo la semaine dernière, et je sais pas encore s'il y en aura une la semaine prochaine. J'ai un petit coup de mou en ce moment, je suis plus vraiment motivée à faire des vidéos. Bon, j'arrêterai pas, hein. Je n'arrête pas les vidéos, c'est juste que j'ai un petit coup de mou. Ça arrive à tout le monde. Mais je vais me reprendre en main, parce que je déteste être... ça me saoule. Donc non, t'inquiète, tout va bien. Bon bref, allez, on commence tout de suite. Et puis bah voilà. Alors tu vas être content ou pas, j'en sais rien, tu me diras ça. Mais j'ai fait plein de tutos. Je sais plus combien j'en ai fait, il y en a au moins 5 faciles. Bon, je te dirai pas les tutos que j'ai fait par contre. Tu veux que tu aies la surprise quand même, c'est plus rigolo. Bon, même si tu les vois dans cette vidéo là, tu vas peut-être te douter. Oh, elle a fait son tuto. Ah, peut-être que c'est celui-là. Hein? Non, c'est celui-là. Bah, tu verras bien. C'est la surprise du chef. J'ai pris de l'avance comme ça, ouais, parce que j'en ai fait vraiment pas mal ce mois-ci de tuto. Donc, normalement, je suis large. Je suis tranquille pendant plusieurs semaines. Alors, ça, c'est cool. Parce que moi, faut savoir que je vis au jour le jour. Je fais le tuto là pour vendredi, par exemple. Je fais jamais ça. Hein. C'est une grande première pour moi. Mais je me dis que c'est pas plus mal aussi. Enfin, bref. On s'en fiche. Donc pour commencer, je t'avais déjà présenté cette petite barrette là la dernière fois, voilà. Mais je l'avais pas encore finie, j'avais pas fait le dos de la création. Maintenant c'est chose faite, elle est toute terminée. J'ai même rajouté des petites gourmandises dessus pour que ce soit bien plus gourmand. Enfin bref, voilà une petite barrette pour les jeunes demoiselles. Allez, avec, j'ai aussi réalisé cette petite paire de boucles d'oreilles cœur gaufre au chocolat et une petite bague pour enfants, parce que c'est tout petit, c'est vraiment pour les enfants, qui est assortie et qui va très bien aussi avec la barrette. Une jolie petite rose comme ça, je l'aime beaucoup celle-là, je trouve que je l'ai vraiment très bien réussi, je suis très contente de moi. Pour une fois que je me lance une fleur, hein, c'est le cas de le dire, c'est cool. Ensuite j'ai refait des petits bijoux pour les sacs à main parce que j'ai vu mon stock se réduire, du coup j'en ai refait 3, voilà. Avec des perles en fibre que j'ai réalisées moi-même et que j'ai aussi poncées. We'll be right back.
ensuite là j'ai voulu innover, j'ai voulu faire un truc tout ressorti de mon imagination. Je sais pas où est-ce que j'allais aller, mais bref, voilà ce que ça donnait. Un petit pendentif comme ça avec un effet bois et avec ma canne effet miel au milieu. Donc voilà, une des toutes premières créations, des collections pardon, que j'ai réalisées, c'est une collection sur le thème ouais, de l'eau. On va dire ça comme ça. Enfin bref, regarde, tu verras bien par toi-même. Voilà. Donc voilà ma petite collection. Donc il y a plusieurs petits bijoux. Donc j'ai réalisé 5 colliers, une paire de boucles d'oreilles et une bague. Voilà, tout en bleu. J'adore le bleu, ça ne se voit pas. Ben non. Un petit cabé comme ça, tout simplement. Ensuite, un petit pendentif rectangulaire, oui, voilà. Pareil, toujours sur le thème de l'eau, si je peux dire ça comme ça. Un sautoir comme ça avec des petites plumes au bout. Collier, là c'est plus un choker, un rat de cou avec mes petites bouboules que j'aime tant, que j'arrête pas de faire, ça, j'adore ces petits colliers là, moi ça m'amuse. Et le dernier collier, plus façon et écaille de sirène, enfin écaille de poisson tout simplement. Voilà. La paire de boucles d'oreilles et la bague sont offertes pour l'achat d'un des colliers. Voilà, petite apostrophe. Mais en début du mois, je t'avais montré une création que j'aimais particulièrement, que je t'ai fait en tuto d'ailleurs, que tu as peut-être déjà vu, je ne sais pas, et que je voulais garder pour moi. Bah, et finalement, j'ai opté pour une autre option et j'en ai réalisé un nouveau avec une forme différente, mais c'est toujours avec les mêmes effets de texture. Voilà, cuir, dentelle et jean. Et celui-là, il est pour moi. Voilà, j'aime bien. Apostrophe, très mignon. Apostrophe, c'est strophe. J'arrive pas à dire. Apostrophe terminée. Bref, voilà, on s'en fiche. J'ai mon petit collier à moi maintenant. Je serai plus jalouse de celui qui me prendra l'autre. Bon bref, allez, on continue. Donc les bijoux suivants, c'est avec la technique de Leiden Magic. Voilà, tout simplement. Ils sont recto verso, c'est cool ça. Moi j'aime bien.
Ensuite, une petite pastille comme ça avec plusieurs effets de matière. Oui, je peux dire ça comme ça. Plusieurs techniques différentes aussi. Bref, voilà, voilà. Ensuite, toujours dans le bleu, hein, forcément, le bleu, toujours le bleu. Voilà, j'ai ce petit collier là, avec ma canne dentelle. Ensuite, un petit collier que j'ai nommé bulle de savon. Ça ressemble pas du tout à des bulles de savon, mais je l'ai appelé comme ça parce que bah, sur le coup, ça m'avait fait penser à ça. Enfin bref, on s'en fiche complètement. Voilà, un petit pendentif comme ça. Donc là, mon petit collier chouchou, franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai nommé le temps des cerises, alors ça n'a rien à voir avec la marque hein, bien évidemment, mais voilà, c'est des cerises, donc le temps des cerises, tout simplement. Et pour rester dans le thème des cerises, ben j'ai aussi fait ce petit collier-là que j'ai nommé le fleur de cerisier, tout simplement. Pour aller avec, j'ai une petite paire de boucles d'oreilles que j'offre en cadeau. C'est des petites bouboules. J'aime bien les petites bouboules, moi. Donc on en enchaîne tout de suite avec la prochaine collection. Et cette fois-ci, j'ai voulu faire un effet marbré. Des petits bijoux avec cet effet marbré que j'aime bien cet effet là, je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà, regarde par toi-même. Donc pour commencer, j'ai réalisé deux petites chokers comme ça, des petits rats de cou avec des espèces de petites pierres en effet marbre. Tout simplement, sans chichi. Un petit camé pareil tout simplement avec toujours cet effet de marbre. Et le dernier petit bijou, c'est plus dans un esprit géométrique. Et pour changer cette fois-ci, j'ai voulu mettre de la chaîne dorée parce que je trouve que ça allait super bien avec l'effet marbre. Enfin bref, ça ce n'est que mon point de vue. Ah, j'ai un petit peu menti tout à l'heure, je t'avais dit que j'avais pas fait de figurines. C'est pas vraiment vrai. J'en ai fait trois. Trois toutes petites rikiki qui. Voilà. C'est rien de bien méchant. Tu m'en veux pas de t'avoir menti. Hein. Si t'es pas fait exprès, j'avais un petit peu oublié. Enfin bref, regarde par toi-même. Donc pour commencer, j'ai réalisé ce petit marque-page avec le petit Mitouyou, ce petit ourson tout mignon que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je commence à avoir une sacrée collection des Mitouyou. J'adore ça, je trouve ça trop mignon. Donc pour changer, j'ai voulu le mettre en marque-page pour une fois. Et j'en ai réalisé un deuxième, un peu plus grand cette fois-ci, que j'ai monté en porte-clés.
J'en avais déjà fait un pour Stockley Me Too You comme ça, mais sur la boutique, il est parti ultra rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu refaire un deuxième. Et ensuite, là, pour celui-ci, je voudrais entamer une nouvelle collection. Celle-ci, elle est foirée, je vous la montre quand même, mais j'ai l'intention de la refaire parce que là, je la trouve vraiment pas belle du tout. Il s'agit de joie, dans Vice Versa, le dessin animé. Un dessin animé qui m'a beaucoup marqué, moi, personnellement. Et puis, voilà. Je les avais encore jamais fait jusqu'ici, les personnages, et puis, je me suis enfin lancée. Sauf que là, je l'ai foirée. En plus, je me suis trompée sur au niveau de sa couleur de peau. J'ai pris du jaune quartz, mais j'avais oublié que le quartz à la cuisson il changeait de couleur. Du coup, ça m'a fait une couleur très très bizarre. Enfin bref, du coup, il faut que je la recommence parce qu'elle me plaît pas du tout. Donc là, ça n'a rien à voir avec les personnages, mais j'ai refait une petite paire de boucles d'oreilles ailes de papillon en polymère. Ceux que j'avais fait, ils sont tous partis. J'en avais refait encore une fois, mais une copine est venue à la maison et elle me les a tous pris. Donc du coup, là, pour l'instant, il me reste que celle-ci. Et du coup, il faut que je refasse encore des ailes de papillon. Et on enchaîne tout de suite avec la toute dernière collection. C'est des bijoux que j'avais jamais fait auparavant. C'est tout nouveau pour moi. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Ça n'a rien à voir avec le monde féerique. Bah, rien du tout. C'est même tout le contraire. J'ai voulu innover, j'ai voulu changer pour voir ce que ça allait donner. Alors, j'ai regardé sur internet, il n'y en a pas beaucoup qui font ce genre de bijoux-là. Alors, à mon avis, ça doit pas intéresser grand monde, mais c'est pas grave. Moi, ça me plaisait bien, donc je les ai faits. Et voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai voulu faire des bijoux sur le thème militaire. Esprit camouflage. Voilà, enfin bref, regarde par toi-même, tu verras que ça sera mieux. Donc voilà, j'ai tout un tas de bijoux différents, vraiment toute une collection. J'en ai fait quand même pas mal, l'air de rien. Donc pour commencer, j'ai ce petit sautoir, comme ça. Un peu forme géométrique. Donc ensuite un autre petit collier comme ça, c'est pareil, encore une fois c'est un espèce de petit choker si je peux dire. Ouais, il est un peu plus long celui-là qu'un choker. C'est un raccou, enfin bref, voilà, un collier, on va pas s'aventurer, avec plusieurs petites perles. Ensuite un petit camé comme ça, un petit cabochon. Et en cadeau, j'offre la petite bague qui va avec. Ensuite, un collier comme ceci, voilà, je sais pas comment je pourrais dire, bref, ça se voit, hein. Et pour aller avec, en cadeau, j'offre la petite paire de boucles d'oreilles assorties. Ensuite, un semi-plastron, un tout petit rikiki. Et pour terminer, j'ai aussi deux petits bracelets.
un avec que des petites bouboules, mes fameuses perles que j'aime tant. Je le dirai à chaque fois, j'aime bien faire des perles comme ça, c'est rigolo. Bref, voilà. Et l'autre bracelet plus simpliste. Dans mes fameuses petites bouboules, mes petites perles, et bien j'ai réalisé aussi toutes celles-ci qui pour le moment sont en stand-by. Je verrai bien ce que j'en ferai plus tard. Et donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui encore une fois a été plus longue que prévu. J'ai voulu changer, j'ai voulu faire les choses différemment, mais finalement, je suis pas sûre que ça soit si... Ça change pas grand chose. Bon, en même temps, j'avais énormément de choses à te montrer. Alors, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. La prochaine fois, j'essaierai d'en faire moins. Parce que même là, le fait d'avoir poncé toutes les créations à la main, putain, comment j'ai mal, je te jure, j'ai eu des crampes au bout des doigts. Ah, oh, c'est horrible, faut vraiment que j'achète la Dremel, parce que là, poncer à la main, c'est mortel. J'ai fait les muscles du bout des doigts. Bon bref, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si t'as des idées de tutos, d'autres tutos, n'hésite pas à me le faire savoir, ça sera avec le plus grand des plaisirs, il n'y a pas de soucis, non. Tu peux compter sur moi. Moi je suis toujours prête à faire des tutos, j'adore ça, ça m'amuse, donc il n'y a pas de soucis. Et puis bah voilà. Et n'hésite pas aussi à me dire ce que t'en as pensé, hein. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs ou négatifs, il n'y a pas de problème, moi je suis preneuse. Bon bref, j'arrête là. De toute façon, j'ai fait tout le temps, hein, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je t'ai fait tout plein de gros poudons. Et je te retrouve très vite. Ou pas, je ne sais pas encore. Si, t'inquiète, ça va venir vite quand même. Pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout. Bye. Allez, on se casse.